Faudrait que je vois, peut-être faudrait que je teste d'autres positions avec le... Avec le détecteur là, faudrait que je teste d'autres positions. Pas d'accoudoir. Si si si, j'ai un accoudoir mais il est pas assez haut. Faut que je vise encore plus haut que l'accoudoir. Et en fait c'est même pas viser haut le problème. C'est le fait que je dois viser, en fait regardez comment je suis, je sais pas si vous voyez mais en gros je vise là-bas. Je vise sur ma gauche, je suis pas du tout en face. Du coup je suis complètement courbé, c'est insupportable. Oh. C'est surtout ça en fait, c'est surtout le fait d'être complètement courbé. Peut-être jouer à ce jeu sur le setup canap, ouais pourquoi, ouais mais fou. Ah faut toujours tout bouger et tout, ah c'est compliqué hein. Parce que... Bah, ouais, pourquoi pas, en bref. Je sais pas trop. C'est une idée. Ah! Attends! Oh, attends! Ouais, bah ouais. Le sensor sous le bureau... Oh non! Le sensor sous le bureau avec le scotch. Ouais, en vrai, ce serait limite le mieux, hein. Ce serait limite le mieux, en vrai. Genre là. Bah là, il y est plus du tout, là. Là, il disparaît. Qu'est-ce qu'il a? Ça va? Je... Il y a plus mon curseur. Ah, voilà. Voilà, la position exacte, c'est celle-là. Ah, Yoshi. À cause du micro devant. Non, je pense pas. Non, mais le micro est vraiment pas devant. Je pense que vous avez l'impression avec la perspective que le micro est devant. Mais il, pour le coup, il est vraiment pas devant. Après, je sais pas. Ah! Ah bien sûr. Maintenant. Quoi? Ah! Incroyable la cam. Ok. Yes. Swirl upstairs bien sûr. Hop là, hop là. Là on revient ici, tac, tac, tac. Et boum. Énorme. Ah oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé cette mécanique exceptionnelle. Hein? Attends. C'est quoi cet endroit là? Ah c'est rien. C'est absolument rien du tout. Extrêmement clean cette run là. C'est un PB de mon côté. C'est extrêmement clean. fragments. J'en ai 500 en banque, hein. Ça nous fait plus de 1100 fragments, c'est bien. C'est bien, ouais. Mine d'étoiles. À l'aise. Digne de Romain Grosjean, bien sûr. La mine d'étoiles. Champignon en forme de roche. Ouais. Ouais. Yeah. Tout le monde, ouais, le son est stylé. Dans cette galaxie.
Il y a une mécanique. Il doit y avoir un système. Il doit y avoir un énorme système. Attends, montre. Va pas être ce système là. Ah, fallait juste tuer tous les mobs, énorme. Vous êtes devenu Mario de pierre, agité. Oui. Ok. Ah. Même pas de strike. Si, si, si. Ah non. Oh, le spar décevant. Peut-être que s'il y a un strike, il se passe un... Merde. Arrête. Boum, le cristal. Boum, le cristal. Oh. Oh. Eh hey, oh, les nouveaux sont mal. Merde. Je me suis un petit peu emballé. Un petit peu emballé. Oh non. Ok. À l'aveugle. Il est où? Là. Ah mais ça a pas sauvegardé en plus. Ok. Bon, si effectivement vous suivez bien, on est d'accord, j'ai fait exprès de refaire parce que j'avais pas fait un strike. On va tenter le strike. Mais en vrai, j'ai surtout tenté de sauter et je me suis rendu compte qu'on pouvait sauter en étant une pierre. Regardez. Voilà. Ça c'est. Bon allez, maintenant on travaille le. Vous savez quoi, pour le strike, je vais arriver là, je pense. Bon, là, je vois rien du tout. Ok. Aïe. Ok. Ouh. J'ai cru que j'allais tomber. Non, stop, stop, stop. Il faut arrêter ça, monsieur. J'ai regardé la mort et je lui ai dit oui. Aïe. Oh putain. Attends, attends, attends. Aïe, 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 aïe. Mais pourquoi? Non, non, pour être tout à fait honnête, j'ai fait ça, mais tu sais, la détection, elle a pas, je pense qu'elle a pas capté parce qu'il s'est rien passé. Mais j'ai vraiment, vraiment, je voulais faire ça, quoi. C'est pour ça que j'ai regardé la mort. Regarde. Hop, on esquive ça, bien sûr. Hop, ça aussi. Hop, et là. Ah, mais on peut pas les tuer? Putain, mais... Attendez, 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 attendez. Laissez-moi gérer ça, laissez-moi gérer ça. Ah non. Trop tôt. Trop tôt. Si, si. Putain, c'est pas du tout le même timing que... Ah ah. Maintenant, mettre... Ah non, trop... Non, non, pas du tout. Ah, je full fail, là, c'est... Attends, mais quoi? Ok, d'accord. Ok, d'accord. L'ambiance est délétère. Pas besoin de faire de combo ici. Ah, wow. Mais les gars, ils reculent. Boum. Merci beaucoup, Prénou, pour le 11e mois. 11e mois. Et Manon pour l'abonnement. Merci à vous pour votre soutien. Et bienvenue dans le bouquet. Ah. T'es sérieux? Attends, tiens. Attends. 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 Ok.
J'ai tapé sur la ferraille là. Attends, non, oh non. Oh non, ça casse les barrières. Ah. Oh non, s'il y a plus de barrières, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On me voit derrière à droite, stylé. Paparap. Paparap. Si t'es en mauvaise posture, tire un fragment sur ces petits points dorés plantés au sol. Ça là. Bien sûr. Complètement. Complètement. Ouais. Alors. Tigoina. Tigoina. Merci pour l'abonnement, bienvenue. Merci beaucoup. Mental Rock. Mental Rock. Ah merde. Ah merde. Wow. Oh l'enfer. Aïe. Aïe. Oh ça va. Ok, tout droit. Oh! Oh le clutch! Ah mais non! Ok. Je lance les dés. Oh c'est énorme. Oh quoi? Qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ok, est-ce qu'on vit tous la même chose, je crois? C'est énorme, les pièces peut-être. Incroyable. Bon, on y retourne du coup, pas tout droit, mais là, regardez. Vous êtes prêts maintenant? Oh Todd! Je l'ai dit. Pardon. Ok, bon, plus. Ok. Encore un peu plus à gauche alors. Maintenant. Oh Todd! Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe? Attends, maintenant. Ok. Boom. 2-1. Oh mais attends. On peut le faire encore à corps en fait, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Oula. L'orbite. Attendez, je fais une orbite. Je suis un satellite. Pas du tout. Je suis pas du tout un satellite. Non. Je pensais vraiment être un satellite. La petite poignée en sang là, ça régale. Qu'est-ce qui se passe? Tortank? Allez. Ok. Pas du tout Tortank. Pas du tout. Ah. Il est marrant avec sa texture un petit... Wow! Avec sa texture un peu... Un peu cartoon dessin. Tiens. Oula. Oh non! Boum. Quoi? Maintenant. Quoi? Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est pas ça? Ok, je prends celui-là, il freine. Oh le drift. Maintenant. Maintenant.
Ah ouais, là, là, il faut pas le face. Artiste qui fête son 5e mois. Merci beaucoup, Artiste. Là, il va s'arrêter maintenant. C'est maintenant pour moi. Ah non. Oh le fait. Putain, le timing est si close. Ok, pas maintenant. Maintenant. Non. Maintenant. Oh, j'ai pas fait le tour. Ah, il est stun. Maintenant. Ah non. Oh putain, oh le timing est close. J'ai eu peur. Ce son est si satisfaisant. Si doux. Il était bien ce boss là. Ah non mais c'est... Pardon. Très dur à prendre cette étoile, faut le savoir. Probablement l'une des étoiles les plus dures à prendre. Parapapa! Absolument tout le monde est chaud. Même Mario avec son étoile dans la main. Ah je vais ramener. Ah bah oui, je vais ramener un nouveau souvenir bien sûr. Très propre. Franchement, s'encombrer de tous ces trucs inutiles, ça me dépasse, hein. Je comprends pas les gens qui gardent comme ça, qui gardent et qui jettent jamais, je comprends pas, ils gardent, ça sert à rien, hein, ça sert à rien, je comprends pas, c'est... Pfff. Ils veulent pas se débarrasser du passé, ils vivent vraiment dans un monde qui n'est plus le leur, quoi, c'est... Ils sont pas du tout à la page, quoi, ils gardent leurs trucs, ils gardent et tu sais pas, ils en font rien, quoi. Ils en font rien du tout. C'est bizarre, quoi. Il faut que je recule. Ah, j'en ai 688. Ah, mais j'en ai 500 à la banque. Tu sais quoi? On va aller voir l'araplane tropicale. Allons-y. Comment est le fun pour l'instant? Le fun est à son paroxysme, hein, messieurs, dames. On en parlait, mais on voit pas le temps passer. Il y a de la difficulté, des fois non, des fois. Enfin, c'est vraiment le jeu est le jeu est trop bien. Le jeu est vraiment trop bien. J'en suis ravi, véritablement. Araplane est très timide. Il ne vole pas très bien, pas très bien. Mais il veut bien voler avec toi, Vénard, tu vas pouvoir planer. Si tu veux planer avec Araplane, nous on veut bien t'apprendre, yak. Ok. Planer. Écoute. La lourdeur. Pointe, oh non. Ok, pointe à l'horizontale, comme ça. Comme ça. Attends, parce que, comme ça. Oh la détection qui fait que bug, ça va faire bader. Base. Pour tourner à gauche, pivote vers la gauche. Bien sûr. Et là, voilà. Et là, je suis vers la droite, bien sûr. Oula. Putain. Ça va être horrible. Pour ralentir vers le haut. Si tu franchis le portail en forme de soleil au bout de la forêt, tu as gagné. Ouais, ça va être chaud. Ça va être horrible. Je sais déjà pas où est... Ok. Aïe.
Ça n'a pas de sens. Le jeu vidéo dans toute sa splendeur, messieurs, dames. Il est très joli, cela dit. Ok, les trashs sont pas mal pour le moment. Oh, la vitesse là. Oula. Wow. Oh non, j'ai raté là. Oh non, dommage. Oh, ça a failli être imperfect. Oh non. Oh non, non, non. Oh, la déception est insane. Oh non. Merci beaucoup, merci. Tu me tues de rire avec cet accent du sud, t'es juste le boss. Merci Hype System aussi pour le Prime. Bienvenue, merci beaucoup. J'ai pas compris, t'as raté quoi ? J'ai raté une grosse pièce. En gros, dans chaque niveau, t'as une grosse pièce. Alors, je sais pas à quoi ça sert, je l'ai compris, hein, mais je sais pas à quoi ça sert. Et voilà, je pense que le but, c'est de toutes les récolter, enfin, j'imagine. Mais voilà. On va être obligé de le refaire, hein. Ah oui, c'est ça, une pièce comète, mais après j'ai pas tout compris. Yes. Ok. On retente. Objectif pièce, ok. On s'en fout du temps, on est d'accord. Ah ouais, mais est-ce que la pièce sera validée si on... Ah oui, il faut terminer pour avoir... Ah ouais, l'enfer. Oh non, sérieux, il m'explique. Ok. Ah, j'ai mis oui. Merde. C'est pas grave, on reprend les bonnes habitudes. C'est important, c'est important. Non mais oui, en vrai je suis en train de reprendre les bons réflexes. Ralentir vers le haut bien sûr. Ok. Bon. Le but ultime c'est la pièce. Mais je crois qu'il faut quand même finir. Et pourtant c'est ça si à l'abino. Que prier Mino. Elle est minot. Pourtant, c'est essentiel. Trop beau cet oiseau, quand même. On s'entraîne à viser. On s'entraîne à viser. Ok, attendez, parce que là. On va pas aller chercher cette pièce. Doucement, doucement, doucement. Wow, wow, wow. Ouais, voilà. Record battu. 10 secondes, plus la pièce. Exceptionnel.
Exceptionnel. Incroyable. Bon, je me suis éclaté le poignet là, mais parfait. Super. Merci Gobinou pour le cinquième mois. Très précis là-dessus le pompon, j'avoue. Merci Gobinou. Le pire, c'est que c'est ce genre de truc qui m'a fait quitter Nintendo, hein, avec la Wii. C'est ouf, hein. Ah bah, détection, mouvement, machin, bidule, ça m'a saoulé. C'est moi ou il est moins beau que le 1? Alors, je le répète, effectivement, il est moins beau que le 1 que j'ai fait en live, parce que le 1 que j'ai fait en live, c'était un portage Switch, donc HD, etc., etc., alors que là, c'est le jeu Wii auquel je joue. Et donc, forcément... Là, on est en 480p, quoi. C'est clair. En s'étoiler, bien sûr. Tout à fait, rejoins-nous. Et je trouve qu'il est quand même beau, en vrai. 720p, là, oui, non. C'est 720? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Moi, j'ai dit 480. Mais je sais pas. 480, non, oui, c'est bien 480. Ok. Yes. Ah, le coach. Blackburn, merci pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Et bonjour. Tout le monde est à l'entraînement, on essaie d'améliorer notre technique de natation. Merde, je voulais pas faire ça. Appuie sur A pour nager, d'accord. Comment on fait déjà pour... avec ça, avancer vite avec ça, je me rappelle. D'accord. Je comprends pas trop ce que je dois faire, c'est énorme. Tournoyer, ouais mais tournoyer, ça la lâche. Nice, wow, magnifique. Superbe moment. Merci Polo pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Là. It's possible. Paisible en anglais, bien sûr. Paisible. It's totally possible. Oh. Oh. On l'a vu, hein. It's totally peaceful, dude. Wow. Wow. I'm so fucking chill, dude. Wow. Ouais, l'eau a gelé. Ah. Ah. Oh, il en faut combien à lui? 15. C'est cadeau. Alors là, c'est cadeau. Mais attendez, pourquoi au début, ils m'ont demandé genre beaucoup par rapport au niveau, fallait que j'aille en chercher et tout? Ah, mais j'en ai 8. Ah, mais d'accord, j'en ai 8. Pardon. Alors attendez, bougez pas. Ah bon? Ok. Bon, je les aurai ici même.
Ne pas confondre les pingouins et les manchots, hein, rappelez-vous. Hein. Voilà. Hello les fleurs, je viens de rater près de 6 heures de live, je suis triste. Ne vous en faites pas, il y a la chaîne Replay où tout est disponible. Il y a même les replays dispo sur Twitch pour tout le monde, au pire du pire. Merci Off pour le deuxième mois, merci beaucoup. Manchot c'est dans le sud et pingouin c'est dans le nord, messieurs dames. Tout à fait. Oh non. Tu crois que tu peux m'attraper? Oh non. Oh non. Attends, je vais cut. Ok, il m'a bien eu. Oh le cut. Ok, bon, il se fout de ma gueule, attendez. Il se fout de ma gueule. Il est rattrapable. Ah mais attendez. Il est rattrapable. Let's go. Ah non mais à pied c'était chaud. En vrai à pied c'était chaud quand même. Absolument tout le monde est content d'avoir cette étoile alors que justement Mario il la monte devant tout le monde en montant la main, bam, avec son étoile dans la main. Boum. Je crois que c'est impossible à pied. Oui, c'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que je me suis dit il y a quelque chose quoi. Parce qu'à pied, je crois que c'était vraiment impossible. Est-ce qu'on se fait kick si on backseat Mario Galaxy? Oui, dans l'idée, oui. Évidemment, pas de spoil, pas de backseat. Je joue comme je veux aussi. Y a pas aussi pas d'insultes quoi, pas de t'es trop con, pas de t'es aveugle, parce que bah être aveugle c'est finalement avoir un handicap, donc c'est pas hyper drôle de traiter les gens comme ça, j'ai envie de dire. C'est pas super marrant finalement. Allô. Ah voilà. Ah, il faudrait que je joue comme ça. Je vais terminer à l'autre bout. Ah, là c'est bien. Un petit régal ce stream tout de même, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Et je dis pas ça que c'est parce que c'est moi qui l'anime. Hein. Aucun rapport pour le coup. Attendez, regardez, boum. Donc là, hop. Et là, si je tournoie... Mais non, mais j'ai pas besoin de tournoyer ou quoi que ce soit. Ils vont me viser. Et ma vitesse est beaucoup trop importante, ils ne peuvent rien faire. Je suis un joueur vitesse. Boum. Tac. Hop là. L'esquive gauche est magnifique. Hop là, on prend ça ici. La pièce, ça me l'a validé, hein. Merde, c'était où? Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, ça l'a validé. Super. C'est super. C'est super ici ce qui se passe. Putain, on aurait dit un peu X-Files. J'ai... un moment, il y a eu du X-Files. Bon, c'est parti très rapidement, mais il y a eu. Ah. Aïe. Bah oui, j'étais coincé. Bah merci. Merci May d'ailleurs pour le Prime, bienvenue, merci beaucoup.
Là, cet enchaînement là. Il a pas continué The Witcher, le père Ponce. Si. C'est tous les jeudis à 11h, demain The Witcher. The Witcher 3, dès demain sur la chaîne. Tous les jeudis à partir de maintenant. Alors il y a toujours les rediffs qui sont dispo pour tout le monde, ainsi que la programmation, messieurs dames. Si vous vous posez la question de dire mais qu'est-ce qu'il fout le père Ponce, il y a une prog, messieurs dames, qui est disponible. Point d'exclamation prog dans le chat afin de de faire apparaître le lien. Mais en tout cas sachez que ah, on me la fait pas moi celle-là. Ah merde! Ah ouais! On va voir. On va voir. C'est tellement sérieux, j'ai pas l'habitude de regarder des streamers qui ont un planning. Non, planning, oui, bon, oui, c'est un planning. Bah, en fait, ouais, des fois, pas trop le choix. Hein. Ouais, Loa, je l'ai. Ouais, super. Quoi? Ah, pépé. Ah ça alors, les cascades là, c'est toi qui les as gelées? Il va falloir une sacrée maîtrise du show mural pour monter là-haut, ça c'est sûr. Je viens de le faire. Quoi. Mais quoi? Mais pardon? Mais je l'ai fait? Mais franchement, je pense que tout à l'heure quand ça a pas marché, ça devait être pixel de pas marcher, non? Parce que je l'ai fait, vous êtes témoin, c'est le premier truc que j'ai fait en arrivant à côté, ça n'a rien fait. J'étais juste un poil trop loin, je crois. Mais what? Mais c'est ça, mais d'accord. On demande la VAR. Franchement, j'irai voir la rediff parce que c'est un scandale. Tout à l'heure, c'est parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Ah, sérieux? Attendez, vous pensez que c'est une réalité, ça, le fait qu'il n'y ait rien eu tout à l'heure parce qu'il n'y avait pas eu le dialogue qui aurait trigger la possibilité de faire ça? Oh, l'enfer. Oh, quand même pas. L'exploration de la grotte inondée. Okay. Trop agréable ce jeu. Ça se voit pas parce que je suis dans une position absolument nonchalante, mais sachez que, parce que j'ai pas trop le choix, parce que je... Il y a le détecteur qui est quand même à chier, mais sachez que je kiffe de ouf l'expérience gaming que nous sommes en train de vivre sur cette frappe galactique 2. Je veux sortir! Pense à boire de l'eau, Ponce. Ouais, vous avez raison. Ce pauvre est coincé là-dedans alors tout le monde cherche la clé pour le sortir de là. Oui, c'est vrai. Excellent, excellente cette eau. Sublime. Super.
Détecteur à chier, non, c'est juste que c'est pas pensé pour y jouer à 50 cm. Ouais, mais le détecteur est vraiment à chier parce que je... Comment te dire? J'ai des zones mortes et tout. Sur la suite, j'ai aucun problème, si tu veux. Alors, ah oui, il faut trouver la clé. Non, non, mais en plus, c'est pas du tout à chier, c'est juste que ça date quand même des années 2000. Okay. Oh, j'ai peur. Nage plus vite, ok. Oh, je nage trop lentement là. Ah, je crois que c'était... Ok. J'ai eu l'impression de jouer à un Mario 2D là, c'est énorme. C'est énorme. Faudrait voir pour resynchroniser. Ouais, peut-être dans les options, vous avez raison. Ouais. Yo, tu utilises Dolphin? Non, 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 comme c'est écrit en énorme dans le titre, je suis sur Wii U. Avec le vrai jeu Wii. Official. Pardon, j'ai pas fait exprès. Je testais des boutons pour voir si je pouvais réinitialiser le... Réinitialiser ça, mais non, apparemment pas. Pas réinitialiser. Hop. Hop là. Ah, non, non, mais c'est pas A. A, A, c'est pour sauter, donc... Et flèche du bas, ça fait... Je pense que c'est juste par le menu oui. Attendez juste. Ah non 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 non. Pardon. Non, restons. On est bien là hein, sur le jeu. Ah. Ok bon, si je sors de l'eau, je meurs quoi. Très fluide, très chill. So fucking chill. Magnifique, magnifique. Sublime. Elle était là-bas la clé, hein, je crois. Eh, y'a pas hésité, plonge la tête la première, t'y arriveras. Ouais, un long saut quand même, hein. Oui, voilà. Ah! Ah, l'inertie! Ok, pardon, excusez-moi. Beaucoup de... Bien sûr. Faut savoir que la musique de ce niveau, c'est moi qui l'ai composée au piano. Je suis assez fier de cette compo pour le coup. Belle hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le mec qui bosse avec Nintendo au calme, il fait des musiques, il dit rien. Ouais, ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec la firme Nippon, ouais. Bien sûr.
Checkpoint évidemment. Je l'ai vu hein. Attends, tu te fous de ma gueule? Attends. Me dis pas que c'est. Me dis pas. Ah, non, oui, d'accord, ok. Ah, Nintendo, vous êtes très très fort, hein. Très très fort en. De manière générale, hein. En game design, level design, vous êtes excellentissime. Vous arrivez justement à nous faire hésiter sur. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que vous êtes bon. Ah, j'aurais du mal à critiquer votre travail, c'est vraiment magnifique ce que vous faites. Regardez là, boum. Pas du tout. À place en vrai. Oula. Let's go. Maintenant, il va falloir sauter. Pour sauter, je saute sur eux. Oh la merde. Oh le caca. Je vois rien. Ok. Ah oui. Ah non. Quoi ? Attendez, mais la clé elle a ouvert. Moi j'ai toujours ma clé moi. Ok. Oh là. Ah. Non. Hop. Ah bah elle est là. Hop. I'm Lebowski. Merci pour le troisième mois. Conseilles-tu de me lancer dans The Witcher 3? Pour se lancer dans The Witcher 3, je pense qu'il faut quand même avoir le temps et se dire que tu pars pour des... Je ne sais pas combien d'heures de jeu. Je sais pas, mais au moins... On va dire au moins 50, bien sûr. Oh, magnifique. Après, j'en sais rien. Moi, j'ai que 6 heures de jeu. Hein. Moi, j'ai que 6 heures de jeu hein, sur The Witcher, donc j'ai très peu joué, finalement. Voilà, bah... L'achète pas, il sort bientôt sur l'Epic Game Store. De quoi The Witcher 3? Il sort bientôt sur l'Epic Game Store. Mais après moi je l'ai déjà acheté, j'avoue. J'avoue. Source. Ah mais c'est le tweet de Kinstar là, vous m'en avez parlé ce matin. C'est une rumeur qui dit ça, ouais, il y a plein de jeux gratuits sur l'Epic Game Store qui vont arriver, ouais. Oui. Bon après moi je l'ai payé, c'est la vie quoi. Et moi je suis dans une position particulière parce que moi ça me dérange pas du tout de payer des jeux, même au prix fort ou quoi. Voire même quand il y a un jeu que j'aime bien, bah je vais prendre une édition collector ou ce genre de truc parce que... Au final j'ai la chance de faire du jeu vidéo mon métier. Si je peux me permettre de donner un petit peu de mes ressources et d'encourager les studios, les éditeurs et tout, bah go le faire tu vois. Moi ça, pour le coup ça me dérange pas. Tu vois c'est comme Rocket League il est passé gratos. Bon, je l'ai payé. Bon, je... C'est pas... On n'est pas tous streamers, quoi. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je dis moi, particulière. Enfin, je parle de moi, quoi. Bien sûr. Ah oui, non, mais... Oui. Évidemment. Rocket League est gratuit. Ouais, Rocket League est gratuit depuis septembre, à peu près. Octobre, je sais plus. Je sais plus exactement. Mais tu vois, par exemple, ça c'est ce que je vous dis souvent. Par exemple, moi, quand il y a des Kickstarter de jeux qui me chauffent, en vrai, j'hésite pas à mettre un petit peu quoi. Parce qu'il y a des beaux projets parfois et ça régale. Hein. Là, ça fait un moment que j'en ai pas vu qui était cool. Enfin, qui était cool, qui m'avait chauffé. Quoi. Merci Gibbs. Pour le deuxième mois, et merci Hugo aussi pour le deuxième mois, merci pour vos subs.
J'ai forgot le Luma. Yes. Ah, j'ai pas vu. Mais je le ferai. Oui, je pourrais le faire après, c'est pas grave. Ah! Doucement. Ok, propre. Lou! T'as fabriqué un petit tremplin! Une charge au sol! Si, mais on le fera après le Luma, vous en faites pas, hein, y a le temps. Hein. Toujours que c'est propre. Regarde un petit peu ce qui se passe ici. Hein. Merci beaucoup Max Week pour le 4e mois d'abonnement sur la chaîne. Merci beaucoup. Ok, donc il flippe. Ok. Faut y aller à... Ah allez, bonne chance. Merci les gars, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Faut qu'il lance un marteau au milieu, non? Non, pas du tout. Juste que je le tue en fait. c'est énorme. Oh, je suis bien là, il va y avoir le boss au final, j'ai... Qu'est-ce que je fais? Mais je suis... Tranquille, mécanique. Vous savez quoi, je vais même le refaire encore une fois pour récupérer les fragments qui sont là. Vous savez quoi, je les ai même pas tous, je vais le refaire encore une fois afin de récupérer l'ensemble de ces fragments. Et je vais encore le faire, bien sûr. Afin de récupérer l'ensemble des fragments. Bien sûr. Je les aurai pas tous. Les applaudissements me régalent. Ouais. La prise de risque est monumentale de ma part. Ah, j'aurais pas dû ça par contre. Ok, là c'est bon. Je crois en mes rêves. La régalade est totale. Oh, je les connais eux. C'est de la merde. Oh, la pièce. Ah, mais je suis con, du coup. Oh non, mais je suis débile. Oh non, attends. Ah, mais ouais. Il fallait monter dessus, quoi. Il va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Non mais dites-moi, non mais vraiment. Que va-t-il se passer? Vers l'infini et l'au-delà! Attends, ils font des trous là? Oh, je crois que c'est des trous qu'ils font. Hein. Ouais. Je
Je sais même pas où je dois aller. Mais j'y vais. Super. Alors on est parti avec le cube. Attendez, je sais même pas ce qu'il fait. Ah ! Ok. Mais il disparaît, bien sûr. Oh merde. L'orbite est totale ici. Oh, magnifique. Ah. Oh, la panique a été totale. Je m'y attendais pas. J'ai vite fait regarder le chat. J'étais en mode, oui, ça discute, ça fait plaisir et tout. J'ai vu un... Aïe. Aïe. Oh non, t'es sérieux. Voilà, ferme-la. Aïe. Oh, putain. Oh, le strike. Pas déconner. Bon, j'ai perdu mes 6 vies. C'est pas grave. Ah non, il y en avait là. Là, il y avait ma cam. Vous avez... Ah si, regardez. Let's go. Ça régale. Oh, magnifique. Enfin, honnêtement, il y a une fluidité qui est assez agréable ici, je vais pas vous mentir. Mais non. Te voilà. T'es un vrai moucheron, dis-moi. Tu tombes bien, je t'ai réservé la primeur de mon nouveau pouvoir. Le pouvoir de t'aplatir comme une énorme merde et une crêpe spatio-temporelle. Vive la Bretagne. Quoi? Qu'est-ce qui... J'ai pas compris le message de Luma. Ah oui, d'accord. Effectivement. Ah. D'accord. Ok, bon, ça doit pas être... ça doit pas être ça. Ah, peut-être le faire frapper ça, du coup. Là, voilà, là, là, là. Et là, je me mets ici. Voilà, et il va frapper ça. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Que dalle. Aïe, ah bah, j'ai perdu une vie en tentant un truc. Super. Voilà. Je lui envoie ça. Parfait. Alors tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Ah mais non mais... Attends. Je crois que j'ai pas capté. On va voir. Mais sur... voilà, à côté, et là je saute dessus, voilà. Boum. Toujours plus. Ah, quoi, c'est quoi cette merde? D'accord. Ici. On esquive ça tranquillement. Parfait. Il va détruire ça là ou pas? Voilà, il est mort. Tu vas faire quoi, Bowser? C'est la question que je te pose. Rends-moi Peach maintenant. Rends-moi Peach. Tu n'es pas mon ennemi juré pour rien, qu'importe. Pendant qu'on fait joujou, mon plan machiavélique poursuit son cours. Pas de bol, Mario. Cette musique.
Bowser, il enchaîne les défaites. Il a passé sa vie à perdre, Bowser. C'est quand même ouf. Et il est toujours là. Grosse étoile. C'est toi aussi qui l'as fait de la musique? Non, pas celle-là. Non, j'ai pas fait toutes les musiques du jeu, j'en ai fait énormément. Complètement. Ouais, tu fais quelques musiques, quoi. Mais pas celle-là. Ouais. 23 en une session, c'est pas mal en vrai. Qu'est-ce que tu dis, petit mousse? Tu t'es battu avec Bowser, il était gigantesque, tu dis. Et ce pirate s'est enfui quand tu l'as vaincu. Et bah tu sais quoi? On va partir à ses trousses. Le pouvoir de cette étoile nous permet de traverser le temps et l'espace. Ne fais pas de soucis, mon petit gars. Pourquoi il parle comme ça d'un coup? On dirait bien que ta chère princesse est avec ce pirate Bowser. Bon, mais y'a pas à tortiller du cul pour chier droit à matelot. On met les voiles. J'ai plus d'eau. Allez, tout le monde se sert de l'eau. Allez. Ce Rafio. C'est effectivement moi qui dirige ce Rafio. Alors, je suis le directeur de ce Rafio. Ah putain, ça c'est la meilleure position, tiens, je viens de capter. Alors, on va revenir en arrière. En arrière. Pour aller chercher ça, et boum. Il y a combien de monde? Je sais pas du tout, on va découvrir ça petit à petit de toute façon. Par contre, pour le moment, en termes de... Bon, on fera un petit compte-rendu après. Mais en tout cas, je préfère parler à Harmonique à Luba, j'avoue. Et je préfère être dans un aéronef magnifique plutôt que d'être sur une... dans mon vaisseau à me déplacer. Mais encore une fois, on va en parler évidemment. Mais par contre, le level design, j'ai l'impression qu'il est un peu plus stylé sur... Enfin, les mécaniques de jeu, j'ai l'impression qu'elles sont plus élaborées et plus stylées dans celui-là, dans Galaxy 2. Ce qui rend le jeu un peu plus, un peu plus mayonnaise. Non ? Merde, j'ai fait quoi? Pardon. Mayonnaise. Ouais, un jeu mayonnaise, c'est ce qu'on pourrait qualifier de... C'est un jeu qu'on pourrait qualifier de... Non, mais j'ai dit un mot au hasard. J'en sais rien, mais... En gros, dans les niveaux, je préfère le Galaxy 2. Hors des niveaux, je préfère le Galaxy 1. Pour le moment, attention. Merci beaucoup, Oi Boy, pour le troisième mois. Merci à toi. On va dire qu'il y a un peu moins d'ambiance et plus de gameplay. Ouais, c'est ça. Très, très mayo, quoi. Très mayonnaise. Mayonnaise mez. Mayonnaise mez, yo. D'accord. Petite fleur. Ah oui! Nous sommes à la recherche d'une étoile pour notre reine. Oh oui. I love you so much. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Attends, y'a quoi là juste? Ah
Mais où est-ce qu'elle peut être? Merde. En fait, moi j'aimerais bien. Ah, mais c'est juste pour remonter. Mais c'est énorme en fait, y'a rien, c'est de la merde. Ok. Ah, à l'ancienne, les pouvoirs, tu connais. Vous êtes devenu Mario Abeille. Maintenez A enfoncé pour voler. On la connaît. Je veux pas spécialement faire de bruit, mais ce samedi, c'est l'anniversaire du meilleur modos One et mon gigabro Love Ice Sushi. Ok, c'est noté, tranquille. Ok, tranquille. C'est noté. Ok. J'aime bien les clémentines, Ponce. Oh, de ouf. Alors, j'ai pas une passion clémentine comme pourrait l'avoir, par exemple, PA. Mais... Oula. Mais, j'aime... En vrai, les clémentines, ouais, c'est... Dans les fruits, les clémentines, je trouve que c'est S-tier, quoi. En vrai, c'est S-tier, les clémentines, vraiment. C'est vraiment extrêmement bon en tout point. Après, ne me posez pas la question, hein, pourquoi PA s'est mis à parler de ça en premier d'émission sans raison. Écoutez, c'est son émission, il la gère comme il veut. Nous, le backup, on est là. Hein. Il a parlé free. On était là, quoi. On rebondit là. Propre. Aïe. Ah ouais. Oh, la fin du rêve. Oh, ça va. Oh, attendez. Ma manette n'a plus de... La Wiimote n'a plus de batterie. J'ai mis des nouvelles piles avant le live, quand même. Je vous jure que c'est vrai. J'ai mis des piles neuves avant le live. C'est-à-dire que là, tu vas me dire qu'en 5 heures de jeu, j'ai plus de... Y a plus rien. C'est un scandale. Bon, bah, je vais prévoir des stocks, hein. C'est nimp en vrai, j'avais pas ce souvenir là. Mais non, la descente aux enfants. Je vais mourir. Aïe, prends des trucs qui se rechargent. Ouais, je devrais. Merci beaucoup Thomas Fouillou. Thank you for the prime. Je sais pas pourquoi des fois je parle comme un anglais alors que j'ai un accent de merde. Des piles rechargeables. Ouais, pourquoi pas des piles rechargeables, ouais. Moi, c'est pas normal, ma Wiimote, elle tient 3 jours entiers sans changer. Bah, après, c'était peut-être... Non, je suis mort. Oh là là. Après, peut-être que j'ai mis des piles pas chargées, hein. En vrai, c'est pas impossible. Mais si, non, c'est des piles neuves, non, vraiment. Non, si. Non, vraiment, hein. J'ai vraiment mis des piles neuves. C'est peut-être de la merde, hein. Merci Max pour le deuxième mois. Sûrement une fausse alerte. Ah non, regardez. Ah non, je pense que c'est une alerte qui est réelle, hein. Mais peut-être que... Ouais, je suis d'accord. Je pense que... Enfin, je sais pas, tu vois, je veux pas trop m'avancer. Et je pense que c'est mon gameplay qui est un peu trop intense. Je pense. Mais c'est possible. C'est possible parce que... C'est sûr. Vu comme je suis intense... Enfin, c'est ouf, quoi. Ah mais je l'ai vu, mais elle est là en fait. Regardez, elle est juste là.
J'arrive. Ah bah non, c'est du 2D. C'est énorme. Vous savez que ça me donne envie de rejouer à Super Mario Maker 2, en plus, du coup. J'ai trop envie de jouer, en ce moment, c'est insupportable. Je crois que j'ai jamais été aussi accro aux jeux vidéo qu'aujourd'hui, alors que, putain, je suis passé par des périodes, c'était hardcore, quoi. C'est-à-dire que quand je sortais dans la rue, j'essayais de capter le nombre de PV qu'avaient mes adversaires pour voir si je pouvais les duels, tu vois. Enfin, c'était vraiment... Pourtant... Let's go. Non, stop. Bah oui, évidemment. Bien sûr. Ça vous est jamais arrivé en vrai de tellement spammer certains jeux que quand tu sors ou quoi, et c'est extrêmement rare, du coup tu as des réflexes de jeu. Vous avez jamais... genre par exemple, moi, genre vers 2012-2013, je spammais WoW. LOL, pardon. Je spammais LOL vers 2000... Bah, quand je me suis mis justement à stop WoW, exactement. Et vers 2013, ouais, c'est ça. Et genre, quand je captais des gens, je me disais, est-ce qu'il a encore son flash, tu vois? Est-ce que c'est gankable? Parce qu'en fait, je jouais jungle. Voilà. Je me demandais vraiment si les gens avaient leur flash. Enfin, mais après, c'est des sensations, tu vois. C'est-à-dire que tu sais très bien que y a pas d'histoire de flash ou je sais pas quoi, bien sûr. Mais je sais pas, peut-être t'as des sensas. Voilà. Ça a dû m'arriver. Non mais c'est sûr, c'est obligé. C'est obligé. C'est de la... Ah! C'est chaud. Ouais non, c'est assez chaud. Hein. Moi je compte les heures en anime. Ah ouais, ça se tire. Non mais chacun son addiction. Hein. Quand je voyais un groupe de 10 personnes, je lâchais un petit ult malfit. Bien sûr. Bien sûr. Des réflexes, quoi. Quand je voyais qu'ils étaient groupés, c'était le moment, quoi. C'était... Je lâchais... petit ulti, quoi. Oh mais ça, mais non, on a compris, tout le monde sait ici. Hein. Et c'est vrai que en ce moment j'ai beaucoup envie de jouer, mais pas qu'à un jeu en fait. Bah vous voyez, hein. Hier par exemple la session WoW, j'ai kiffé, ça m'a trop fait du bien. Petite session WoW hebdo, The Witcher 3 qu'on va le pulvériser le jeu. Le petit Galaxy qui régale. J'ai des envies de Splatoon, Mario Tennis, Mario Kart, Super Mario Maker 2. J'ai les envies des jeux Play dont je vous parlais. Enfin, c'est vraiment... c'est dur, hein. Ah, j'ai rien. Ah, c'est de la merde. Pokémon Colosseum, effectivement, qu'il faut... Bah, c'est de la merde, là. Pokémon Colosseum qu'il faut qu'on termine. Merci Célia pour les 100 bits, c'est gentil. The Elder Scrolls Online récemment. Sea of Thieves qu'on a bien envie de reprendre avec Ultia et Reeve. Enfin bref, c'est... Jamais on ne s'arrête, quoi. Mario Tennis, on play quand tu veux. Ouais, je sais, Onutram, je sais. Je sais, je sais. Hyrule Warriors. Bah, en fait, Hyrule Warriors, c'est exactement ça. C'est que le problème de Hyrule Warriors, c'est qu'il y a d'autres jeux qui me donnent plus envie qu'Hyrule Warriors en ce moment, tu vois. C'est ça le truc. Mais peut-être que je continuerai un jour. C'est pas exclu. Merci Scat pour le 11e mois. Scat. C'est quoi les jeux play? Les jeux play dont je parle, c'est par exemple Until Dawn,
Par exemple, Final Fantasy 7 Remake, peut-être qu'un jour je le ferai en vrai. C'est aussi Detroit Become Human que j'ai envie de faire sur PlayStation, j'ai pas envie de le faire sur PC. C'est, en fait, j'ai aussi envie et besoin d'avoir une PlayStation 5 pour le setup canap. Parce que force est de constater que sur le setup canap, je peux pas faire de jeu PC, quoi. Mon deuxième PC est pas assez performant. Et en plus de ça, quand tu joues sur une télé, que tu essaies de streamer une télé, c'est dur. C'est dur. If you know what I mean. Enfin bref. En vrai, il y a plein d'envies. Il y a plein de choses. Il y a une étoile. Ouais, j'ai vu l'étoile cachée au niveau de. Ouais, je l'ai vu. Dans le truc abeille. Mais on ira la faire un jour, bien sûr. Nuage au vent. Mais je trouve que là, on est dans une époque où il y a aussi énormément de jeux indés qui me chauffent. Il y a ça aussi. Et je trouve qu'on est dans une époque où les jeux indés n'ont jamais été aussi présents et hype, entre guillemets. Et ils te proposent des dingueries qui font que t'as envie, quoi. T'as envie. C'est trop bien, hein. D'accord. Attends, on va tenter. Ok. Je viens de finir Hollow Knight. Ah oui, il y a ça aussi. Hollow Knight, moi, je l'ai fini, mais je l'ai pas fini à 100%. Je l'ai fini à... Oula. Oh non. Oh, le move de merde. Attends. C'est bon. Du coup, Hollow Knight, je l'ai fait, vous savez, je l'ai terminé, mais je suis à 87%, je crois. J'aimerais bien faire le 112% avant Silksong, en fait. C'était ok, en fait. C'était tranquille. Quoi ? Ah, d'accord. Ah mais non! Il en a fait deux. Panthéon compris, bien sûr. Panthéon, je sais plus où... Ah, oh, ça va! Je sais plus où on en était du Panthéon. On avait fait le niveau 2. Non, on avait pas terminé le niveau 2 quand même. Je crois pas. Mais bon, Hollow Knight est un jeu exceptionnel. J'y ai passé des heures formidables et j'aimerais bien le terminer vraiment à 112%, quoi. Ah, monsieur pièce. Ah merde. Ah non. J'ai pas assez. Aïe, ça va être compliqué là. Merde, non. Bah non, bon, c'est pas grave. Hop, il est là. Ah, j'ai pas ramassé assez de... Ah, il y en a une là. Ouais, mais je les aurai jamais assez. En fait, ça sert à rien. J'en aurai jamais assez. Ça ne sert à rien. On le fera une autre fois en repassant ici de toute façon. Du coup, je vous le dis, ici c'est cool, hein. On fera le 100%, le 100% ici même, évidemment. Marrant. Non. Non mais... C'est une catastrophe. Nice. Quoi ? Ah bah oui, fin du time, bien sûr. Oh non.
Oh non. Super. Une régalade. Très très heureux de... c'est pas grave, on a beaucoup de vie, c'est pas très grave. Demain la soirée Mario Kart, demain c'est une soirée organisée par les World Friends. C'est pas du tout tournoi compétitif ou quoi. Enfin un peu, mais c'est surtout tourner LOL and Fun. Il y aura donc il y aura Étoile, Jiraya, Ultia, Rivenzi, Onutrem d'ailleurs, tu seras là. Et qui d'autre? Je sais plus qui sera là aussi. Et ce sera vraiment on avait déjà fait une soirée comme ça. Une soirée Mario Kart en gros avec avec des petits défis, des petits trucs entre nous et tout. Vous verrez. Soirée mayonnaise quoi. Soirée mayonnaise. Et effectivement, tu fais très bien de le rappeler, Herakis. Après, à 20... À quelle heure, d'ailleurs? Je crois que c'est à 22h. Il y a un tournoi. Il y a un tournoi ouvert à toutes et tous. Tout à fait. Je crois que ce sera à 22h. Donc vous pourrez aussi, évidemment, participer à ce tournoi-là. Qui sera exactement le même format que les tournois du dimanche. Ouais. Bah elle est où? Hein? Elle s'est envolée? Attends, quoi? J'ai pas vu, j'ai tourné la tête. Ah, elle est là! J'ai eu peur. Ah. Boum. Pas de Colosseum ce soir. Non, pas de Colosseum ce soir parce que du coup, je live déjà tous les soirs de la semaine. Donc ce soir, je ne live pas. Histoire de m'aérer un petit peu l'esprit aussi. Hop. Eh ben 25 étoiles, messieurs, dames. 25 étoiles, c'est exactement le nombre d'étoiles que je voulais atteindre aujourd'hui. Et no joke, je comptais arrêter vers 17h et je me suis dit si j'ai 25 étoiles à 17h, je suis le boss. Il est 17h18, j'ai 25 étoiles. Je commence à bien me connaître en vrai. Pourquoi tu mets pas un pack HD? Parce que je suis sur une Wii U avec le jeu Wii officiel. Donc parce que... voilà. Donc ça semble un petit peu compliqué effectivement. Cette histoire de... Oui, j'ai plus de batterie, oui. Par contre, comment on fait pour enregistrer? Dis-moi que c'est ça sauvegarde à chaque étoile, non? Je pense, hein. Ouais, normalement, ouais. Autosave, hein. On dirait qu'une nouvelle bouche à nourrir est montée à bord. Elle a l'air vorace avec ça. Ouais, ça sauvegarde à chaque fois, je pense. J'imagine qu'on peut lui faire une place dans la cale, pardon, mais je te laisse le soin de la nourrir, petit mousse. Et si tu veux aller la voir, passe donc par ce tuyau. Pas de soucis, hein, c'est complètement notre note. Trop cool les 100 000 pétales, OMG, je vais pouvoir te dire que... Je pensais pas du tout que ce même... Je pensais pas du tout que ce même des messages non terminés allaient durer aussi longtemps. J'avoue. Ça me fatigue. Bon, messieurs, dames. Non, mais en vrai, c'est improbable, avouez, c'est un même complètement improbable. Ça vient d'où d'ailleurs sur une gag? Mais je sais même pas, je sais pas... Ça date quand même d'il y a genre 7 mois. Hein. Enfin, même peut-être plus. Ça date de ouf. Vraiment. C'est ultra, ultra vieux. Le running gag est ultra vieux. Hop. Éteignage de la Wii U. Et oui, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de pack HD. Parce qu'on joue vraiment au Super Mario Galaxy 2. Qui est un jeu Wii. Et on y joue sur Wii U. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... C'est pour ça que c'est du 480 finalement. Quelle heure demain pour MK? Alors en fait, demain, c'est une soirée tout entière. Donc en fait, demain, nous, on commence la soirée vers 20h, je crois. Il y aura d'ailleurs des choses à gagner hein, sur les différents lives. La soirée commence à 20h et elle se termine sur un tournoi. Je crois que le tournoi commencera vers 22h, 22h30, je sais pas exactement. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais voilà. Donc demain, grosse soirée. Les fleurs, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On peut revoir la rediff de ce live quand toutes mes redifs sont disponibles pour tout le monde sur Twitch.
pour voilà gratuitement pour tout le monde. Et sinon sur YouTube, sur ma chaîne Ponce Replay, sur laquelle on upload les vidéos très rapidement, en moins de 24 heures, ça y est, même peut-être même pire. Enfin, même peut-être plus rapide. Rendez-vous demain pour la suite de The Witcher 3, à 11h, évidemment. Demain soir pour la soirée Mario Kart. Ensuite, il y aura donc vendredi, journée Vroom Vroom, classique, Rocket League, etc. Et vendredi soir, Ponce la Switch. Donc encore une belle prog sur cette fin de semaine. Merci les fleurs d'avoir suivi. Super Mario Galaxy 2, c'est un road to 100%, évidemment. On fera toutes les étoiles, même cachées, même les plus dures. Même s'il faut passer 8 heures sur les mêmes étoiles, on le fera, évidemment. Merci les fleurs pour votre soutien, pour votre présence et pour votre amour. C'est ultra, ultra cool de vous avoir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous donne rendez-vous demain à 10h40 pour la Ponce Radio. Bye.